fois que j'ai chanté sur scène, c'était dans un petit cabaret de Montmartre. Imaginez, une salle minuscule, sombre, perpétuellement enfumée. Et dans un coin, une estrade, minuscule elle aussi. Tout juste la place du tabouret sur lequel venait s'asseoir le chanteur ou la chanteuse. Un projecteur unique. Entre le bar et la porte du WC, un piano droit rongé de verre, qui n'était pas les verres de Macorlan ou d'Apollinaire. Le pianiste, c'était Maxime Barthélémy. Il jouait toute la nuit et nous accompagnait. Je dis nous, car nous étions là, toute une bande. Nous apprenions notre métier en direct, devant le public. Quelquefois, nous avions du succès. Quelquefois, nous nous faisions siffler. Oui, nous sommes toute une bande à nous être fait siffler dans ce cabaret, sur cette scène minuscule, assis sur ce tabouret, accompagné par Maxime. Il y avait là Moustaki, Pierre Perret, Guy Béard. Nous chantions trois ou quatre chansons, puis, nos partitions sous le bras, vite nous courions vers un autre cabaret, une autre scène minuscule, un autre tabouret. Nous en faisions ainsi cinq ou six dans la nuit. Nous étions des vanupiers, nous étions des saltimbanques, nous étions des miteux, des inter-mitants, des inter-minables. Un jour brillant, un jour minable. C'était ça, le métier. Je suis une petite chose. J'aime qu'on m'offre une rose idylle. Je fais des rêves de tendresse, d'une main qui me caresse les cheveux. Comme le vol d'une mouche, et je veux m'envoler sur un blanc nuage. Je veux que tu m'emmènes en voyage. Je veux surtout que tu me dises je t'aime, que tu m'écrives. Parfois je rêve d'un pirate borné qui m'injurie et qui me cogne, un qui m'enlève à la charaïque pour boire du rhum à la barrique. Je rêve d'un type qui me culbute, qui me fasse connaître le rythme. Thank you.
qu'on offre.